José Bové et Lécien préparaient de longue date cette nouvelle démonstration, s'y retrouvent côte à côte aussi bien des paysans que des intellectuels, soutenus ici par le Parti communiste ou là par quelques leaders internationaux qui ont fait le voyage pour l'occasion. Bref, un rassemblement qui est déjà un succès puisque, comme prévu, des milliers de manifestants dans une ambiance de kermesse ont rejoint depuis ce matin cette petite ville de l'Aveyron. Karine Comadi, Éric Mézy. Les rues de Millau étaient trop étroites cet après-midi, et pas simplement à cause des jupes de certaines danseuses. Le premier objectif des organisateurs a été atteint. 20 000 personnes ont bien rejoint Seattle-sur-Tarn. Pour les derniers arrivés, il devient dur de se loger. Donc en fait, on va dormir avec toi dans un pré ou un bois. En attendant, on laisse nos affaires là et on se couche dessus pour les garder. La fête à Millau passe forcément par le couvage de plaisir. De la nature bien terrestre à d'autres plus spirituelles, le visiteur comprend que la lutte contre la mondialisation passe par quelques concessions aux grands attentes du commerce. Mais qu'importe le prix, l'important, c'est l'espoir. Elle se vend, la lutte de l'Arzac? Non, pour des souvenirs de la lutte de l'Arzac, et on continue à entretenir le souvenir de la lutte de l'Arzac, mais on ne vend pas la lutte de l'Arzac. À tout bout de champ, une fanfare, un spectacle de rue, rattraper les familles, les amis, aux mains souvent pleines de tracts et de revues. Pour les adeptes du débat, il fallait en revanche chercher un peu. 14 forums se sont succédés. Thème abordé, les droits syndicaux, les OGM ou les paysans sans terre. Le plus couru fut celui de Pierre Bourdieu, le sociologue. Aujourd'hui, vous étiez plus intéressé par venir écouter Zebdam que Bourdieu. Quasiment. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas Zebdam. Il y aurait peut-être moins de gens qui seraient venus, des gens plus motivés. Je préfère venir écouter Bourdieu ou d'autres, pour parler avec les gens dans la rue, le paysan. La nuit promet d'être longue avec sur scène Cabrel, Mandésir et Zebda. Décidément, la lutte n'en finit pas.